Bien, bonjour tout le monde, salut Warwick, comment ça va, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Salut Dan, salut tout le monde, bienvenue en Bolivie, dans la Media Bolivie. Luna comme région. Media Luna comme région, on va attaquer la partie sécurité. Donc là, on est à un endroit où on avait commencé un petit peu avec Nils à l'époque, El Comandante. Donc, on va en profiter pour terminer la région. Donc, ça va être assez rapide, je pense, parce que en termes de pourcentage, après, il n'y a que 3 missions. Ah ouais, trois Mais missions. c'est, faut voir que c'est une région avec quasiment que de l'Unidad. Hein, donc. Ça risque d'être chaud. Donc là, oh là là, on commence bien. On s'est récupéré un petit buggy sur la route. Donc là, on a un convoi. On va les choper. Je me rappelle plus ce que c'est, le texte. Donc là, on doit choper le convoi. On va voir ce que ça Attendre donne. les coordonnées du convoi. Ouais. Bon, j'ai pas la même portée que toi encore. Faudra que je monte tout ça. Je vais attendre, je vais reculer en fait. Pour le lancer, c'est quoi l'UM? Tu cliques? Pour le lancer? Ouais, clic gauche. Ils arrivent. Putain, mais ça va marcher l'UM. Oh merde, je suis tombé. J'ai vu le truc IEM qui a fait wouf! Mais en fait ça doit pas marcher sur ces véhicules blindés. Allez, c'est reparti! Ah, ok. Bon, Non mais bah là, ça va être c'est le échec. truc, ouais. Parce que l'IEM là apparemment sur le blindé ça a rien fait quoi. Ça a rien fait, ok. Bah j'ai vu la zone bleue dessus, alors moi qu'il y avait un lag ou quoi que ce soit qui fait que en réalité c'était pas ça mais. Bah, t'as peut-être pas beaucoup de distance avec ton IUM pour l'instant, je sais pas combien tu l'as poussé. Oh, je l'ai pas poussé. Faut que Ah je ouais, bon, regarde c'est ça. normal. Ah. Bim. Je peux commencer à tirer dessus si tu veux. Attends, non, je. T'as la Ah, il est choper? trop haut. Non, il est trop haut. Ah merde, il y a les autres quoi. Putain. Ah, ils m'ont eu. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est retombé, il est... Tu l'as fait tomber. Ouais, mais bon, le problème, c'est les autres à côté là. Ouais, faut que tu descendes, tu te caches. Ils sont deux, trois. Ah, excellent, qu'est-ce que t'as fait? T'as mis une grenade? Ah oui, j'ai fait péter. Ok, Le problème super. c'est. Notre Attention aux véhicule. voitures qui arrivent. Ah, notre véhicule, il est mort quoi. Tu peux appeler un nouveau véhicule, Ouais. je pense. Où ça? Il est en face. Non? Ouh, mais il y a une voiture qui arrive Ouais, aussi. j'y vais. Mince. Je fais tout en l'air, cabron. Heureusement que tu t'es pas tué, tu t'es pas auto-tué. Ouais. Ok, c'est bon, j'approche. Ouf, on va y arriver. Cool, bien joué, bien voyage là. Ou tu veux que je me mette à l'artillerie? Allez, garde le rythme. Tu veux pas te retrouver Non. à la traîne? Pourquoi tu m'as sauvé au Je juste? l'embarque, moi je me J'ai mets à comme l'impression que tu l'artillerie. comptes quand même me buter. Parce que sinon je Oh, peux pas tu vas être tirer. bien sage. Ouais. Putain, relâche-moi et tu verras comme je suis sage, poteau. Tu vas voir. Alors c'est un prisonnier qu'on a Conduire. chopé en formation. Prisonnier au village d'Acevedo. D'Acevedo. Alors on n'est pas poursuivi par l'unidad, donc c'est un bon point. Ça c'est sûr. Ça va être plus simple. Je peux pas Bon. changer. Faut bien. Faut Bien juste s'y de la prendre. méthode. Ouais. Et pas de la précipitation. Juste être bien. Mais tu vois, même avec de la méthode là, ça a failli dégénérer, hein. Ah ouais. Ça a failli se planter, hein. Bah, je l'ai poussé la voiture, dans le sens c'était bien parce qu'elle s'est plantée, mais après il fallait choper le gars quoi. Non, 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 c'était pas par là.
marche à rien. Ah bon. Ah mais non, d'accord. Comme tout GPS, des fois tu sais plus si c'est à gauche ou à droite. Voilà. Ah, on y est presque. Oula. Oula. Il y a du violet, hein. Allez, viens là, toi. Quédate quieto. Ennemi désigné, par contre, il est à peu près des civils. Allez, faut l'emmener où? Listo. Pourquoi vous m'avez enlevé? Aïe. Vous attendez quoi pour me tuer? Ça dépend de toi. T'es prêt à faire passer un message au reste du cartel? Tu veux que je leur dise quoi? Dis au Bouchon, et puis merde à tous les autres aussi, qu'elle commandant t'es prêt par un seul coup. Il est prêt à planter un couteau dans le dos du cartel. Ouais, moi je m'en fous. Je me casse. C'est où l'autre? Je comprends pas où ça tire. Quitter la zone. Ok, on quitte la zone. Mais non, pas empoigné. Je m'en fous de lui. Juste quitter la zone. C'est le cartel qui était. T'es bon? Ouais. Hop là. Hop là. Oh là, c'est le sacré dodan. On vient de relâcher un lieutenant du cartel. Ouah, bon. Yes. Encore. Enfin une. Yes! Elle met la pression et le rend plus facile à pister. Du coup, 2 sur 3 maintenant. L'imagerie satellite ouais. Relève une armée de véhicules qui partent d'un camp. Par contre, je vois pas la prochaine. Attends. Ça ressemble à une expédition punitive contre elle, commandante T. Et tu sais où il se trouve? Je vous transmets les coordonnées. Encore une chose. Ah oui. Je veux l'identité de ce type quand il aura été abattu. Faites-moi une photo bien nette du visage de la commandante T et envoyez-la moi. Bien sûr. On va se débrouiller pour pas trop la mancher. Ok. Ah bah si, c'est bon. Ça marche. Mission principale. C'est où c'est là? Oui, bah voilà. Le cartel lance une expédition punitive contre El Comandante. On va l'abattre pour faire porter le chapeau aux hommes d'El Sueño. Tuez-le et envoyez-moi sa photo pour qu'on l'identifie. Bon, ok, on doit rejoindre El Comandante, l'abattre et confirmer son identité. Ça me paraît être dans nos cordes. 1,6 km, on va y aller avec le blindé, comme ça on l'a. Ouais. C'est bien, c'est marrant, on a encore le gars dans la bagnole là. Ouais. C'est pas prêt, c'est pas normal, mais enfin bon. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Comment on va rentrer là-dedans? Ah, on est traqué, mais par le cartel. Ah, ok. Je pense. Ou est-ce que c'est eux qui sont en train de l'attaquer? Ok. Bon, faut trouver un point d'entrée là. Parce que toi, il y a une alarme qui s'est enclenchée. Bon, je crois que je vais mettre la vision nocturne. Oula! Sniper là. Hop, hop. Mmh. Tu l'as abattu? Non, mais il bouge. Voilà. À travers la paroi métallique. C'est un sniper là. Tu l'as eu? Non, je vois. Il faut me repérer. J'arrive pas à l'avoir. Ouais, j'ai eu. Merci, parce que je sais pas pourquoi ça voulait pas. Il y a un autre là-bas, peut-être que tu peux. Attends, je vais aller dans la tour. Ouais, ils sont en train de se battre en fait. Ok. Je monte dans une tour là pour voir si je peux pas en choper avec plusieurs à distance. Ok. Ouais, mais là, comme ils sont en alerte, ils sont cachés, les gars. Moi, je passerai jamais ici. Et si je faisais un truc du genre ça? Oula! Merde! Qui c'est qui m'a fait? C'est la cata là. Notre entrée discrète. C'est qui risque de me voir? Je comprends pas. Ouh, il y a un hélico, d'accord. Ah mince. Oui.
Ah mais je vais pas pouvoir te soigner moi, du coup, si le drone ne passe pas. Ça, le drone ne passe pas. Non. Bon, lui, il est mort. J'arrive au bout du de la route jaune. Voilà. Ça tire. Ouais. Comme c'est que je suis traqué. Putain. Je pense qu'il y a un. Je suis même plus que traqué, je suis engagé. Sniper là-haut. J'ai appelé des rebelles qui vont nous appuyer. Voilà. Rappeler du monde. Aïe aïe aïe. Ouh, je l'avais pas vu lui. Je vois rien de particulier. Heureusement qu'il y a des tentes partout, je peux me cacher. À rentrer, je passe par la porte principale du coup. Attends, je te rejoins. Je suis dehors moi. Bah terminé pour lui. Je te rejoins. Et voilà. Attends, je vais peut-être passer par là. Non, je peux pas. Bon, très bien. C'est tout ce qu'il faut pas faire avec les Unidad, hein, bien évidemment. Ouais. Ils sont là-bas, ils nous cherchent là-bas, où j'étais avant. Ah oui. Je vais peut-être prendre une voiture en fait, je sais pas. Y'a un gros blindé, y'a un gros char d'assaut à côté. J'espère au moins qu'il y a, y a des gars ici. Tu tentes le coup? Tu montes à l'artillerie ou pas? Je sais pas. D'accord. Non, je vais peut-être rester comme ça, piéton. Je redescends, parce que sinon je sers à rien. J'essaie de chercher. Ah, je vais essayer d'aller au générateur. Ouais. Un peu comme ça, tranquille. Le souci, c'est qu'en fait, on sait même pas où aller. Ça n'aide pas. Dans le bâtiment, là? J'arrive bien que c'est le bâtiment qui est juste en face. C'est quoi cette grenade qui est en face? Oh là là! Moi je vais rentrer dans le bâtiment où je suis là. Ah bah. Cible éliminée. J'en ai eu un dans le bâtiment. Je reprends les munitions. J'ai le commandant T en visu. Allez, on le vend. Ah bravo. Eh bah voilà, il fait moins le malin. Allez, on va lui faire ça. Le brouilleur, c'est bon. On se croirait dans Scooby-Doo.
Bowman, on t'a fait une photo du visage d'El Comandante comme tu voulais. Je t'envoie ça. Merde, super, alors, super. Je connais Nick. C'est Miguel de Los Monteros, le fils du ministre de la Défense. Hein, on voit pas la photo. S'il est là, c'est sans doute qu'il était en mission secrète pour les gros bonnets de la capitale. Mmh. Ah, je suis en train de... On dirait qu'on a gâché la fiesta de tout le monde. J'ai comme l'impression que les hautes sphères de la Paz vont avoir une tempête. Ouais, bah oui. Il y a l'hélicoptère qui est juste au-dessus de moi. Donc, impossible à tirer. Il n'y a plus d'hélicoptère. T'avais détruit le brouilleur ou pas? Le brouilleur, oui. Ok. Oh mince! Il y a plein de monde douté. T'es cerné, mon pote. Là, c'est pas grave. Ah, identifier le corps, hein, faut quand même faire ça. J'ai fait ça. Ah bon? C'est toujours indiqué. Attends. Ah, moi, c'est plus indiqué, moi. Faut que je le fasse aussi? Je pense pas, mais. Attends. Dès que ça se calme un peu, ou pas. J'ai demandé des renforts aux rebelles. Voilà. C'est fini, compliqué. Toi. Un peu. Mais bon, on a réussi. C'est pas propre comme on aime bien, mais. Ah non, là c'était absolument n'importe quoi. C'était un petit peu le bordel, mais. En même temps, il faut tuer quelqu'un, donc c'est pas compliqué. C'est ça. Non, ça c'est pas compliqué. Bon, écoute, bon, on l'a eu, c'est déjà pas mal. Ben, on va vous laisser là. La prochaine fois, on va continuer donc sur cette province. Non, c'est fini cette province. Qu'est-ce que je veux dire sur cette section? Ben, sur la partie sécurité, donc la partie général sécurité. Général Barreau, par exemple. Voilà, le commandant T, on voit que c'est bon. Donc, ou général Barreau, ça, ouais, ça c'est chaud, ça. On a deux inconnus et Ricky Sandoval, comme tu. Fleur des Euros, c'est pareil, c'est de la. c'est de l'Unidad. Alors, je suis peut-être Ricky Sandoval ou un inconnu, parce que le général Barreau, je finirais bien par lui, parce que lui, c'est normalement, c'est un costaud. Hein, parce que c'est la base Jaguar, lui. Bah, le costaud, ce sera surtout, je dirais, El Muro. Oui, normalement, oui, mais le général Barreau va être pas mal, parce que la base Jaguar, t'as vu, c'était. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est Florida, ouais, ok. Inconnu. On a deux inconnus. Ouais. On verra ça. Est-ce que c'est ça? Ouais, ça va être ça. Sans Matteo. Bon, déjà, El Comandante, c'est déjà pas mal. Ouais. J'ai un bon gros bonnet. Je sais pas quel va être l'impact de la réduction de cette sécurité. Ouais, bah, normalement sur nous il n'y a pas d'impact. Hein. C'est sur ça serait bien que dans de manière générale quand même que je sais pas, genre il soit moins présent ou un truc comme ça quoi. C'est ce que je veux dire. Bah oui, mais non, je pense pas que vis-à-vis de nous ça change. Non. Ça m'étonnerait. Pas évident. Ah, est-ce que je peux faire mon endurance? Non, toujours pas. Bon, bah, on va vous laisser, les amis. Hein. En tout cas, voilà, merci de nous avoir suivis sur cet épisode. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire, ce sera toujours plaisir. Et donc, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'attaque de cette partie sécurité. Excellent. À bientôt, tout le monde. Allez, ciao, bye bye. À bientôt. Bye bye.